Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Vous profitez du beau temps de mois de décembre. Nous aujourd'hui on est le 1er décembre. Vous êtes le 28, c'est ça? Vous êtes le combien? Jeudi 29. Vous êtes le jeudi 29, vous avez passé Noël, je suis sûre que vous avez été gâtés, donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. Vous me retrouvez sur YouTube, sous cette chaîne-là, pour voir ma présentation couture, tricot, mes hauls, mes expériences, mon partage. Et sur Ravelry, sous le pseudo de Vanessa 422. Un seul N, deux S. Et voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous appréciez ces petites vidéos de haul. Rich n'est pas très connu. Rich Textile en France n'est pas forcément très connu. Il est plus connu en Allemagne. J'ai vu sur leur site, c'est tout marqué. Ils sont connus en Allemagne, en Norvège, enfin les pays nordiques, quoi, en gros. Ouais, Allemagne, Norvège, principalement. Après, un petit peu la France. On représente que 7% de leurs commandes. Pourtant, ils sont très bons. Ils ont une très très belle qualité. Vu que la vidéo va être assez courte, parce que là, ce sont que du polaire. C'est une box surprise tissu polaire que j'ai commandé. Je me suis dit que j'allais vous faire voir un petit truc qui n'a rien à voir avec cette chaîne-là, mais que j'ai envie de vous faire voir. Vous savez, j'aime bien aussi faire des puzzles. Donc le voici. C'est des puzzles pour la chambre de mon bébé. Donc c'est des 1000 pièces. Le cadre, il vient de chez Leroy Merlin. Et j'en ai commandé sur Amazon qui vont arriver lundi, parce que là en début de mois vous en voyez un, mais d'ici la fin du mois il y en aura au moins deux qui seront faits. Il y en a même un autre qui est fait, qui n'est pas encore dans son cadre, un autre qui est entamé et un autre que je suis en train de trier. Enfin bref, vive Vinted, hein, moi je vous le dis. Je trouve que c'est pas mal pour des puzzles. Voilà. On revient à cette vidéo, je vous ai fait mon petit partage, parce que je fais des puzzles, ce que j'aime bien. On va pas se mentir, mais surtout parce que j'ai mal aux mains, donc je peux pas tricoter tout le temps, pas forcément tous les jours aussi, mais pas longtemps, donc j'alterne et comme ça repose mes petites mains. Voilà. Donc en gros, la box surprise de chez Rich Textile, ça se présente sous une box que vous ne choisissez pas la couleur. C'est 10 fois 1 mètre de, là pour le coup, polaire. Elle est à 30 euros TVA incluse au lieu de 49,50 euros. Donc ça tombe à 3 euros du mètre. Beaucoup moins cher que chez Dressenstofen. Pour le coup, on est gagnant. Sachant que la polaire est super bien. C'est vraiment top du top. Au niveau qualité, c'est du polyester, hein, normal. Du 280 grammes au mètre carré, 10 fois 1 mètre, 3 euros du mètre, fabriqué en Chine. Ils ont une marge d'erreur de 5% maximum. On peut avoir deux fois un mètre, chose qui n'a pas été mon cas. Et ils se sont retrouvés qu'avec 9 couleurs, vu que ce sont des fins de rouleau à chaque fois. Voilà. Des fins de rouleau, mais il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a jamais 1,50 m, vous voyez. C'est toujours un mètre. Un mètre ou un tout petit peu plus, mais pas beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Vous pouvez les étuver avec divers solvants, dont le perchloroéthylène, nettoyage professionnel. On n'est pas obligé. Moi, je passe à la machine à laver normale et jamais de problème. À 30 degrés, vous le mettez dans un filet et c'est parti, quoi. Voilà. On a toutes les informations, c'est la dernière box. Donc, je peux fermer mon ordinateur et le ranger bien sagement sur la pile de je ne sais pas quoi. Il va y avoir un problème, c'est ranger tous les tissus que je vous ai présentés ces dernières semaines pour vous. Il y a quelques minutes ou heures pour moi. Commençons la première polaire. La première polaire, c'est un beige. C'est pas écru, c'est beige. Un beige. Moi, je m'en contrefiche, ça fait très bien l'affaire. Oula, comme c'est doux. C'est très très doux à l'intérieur. Très très doux. Un peu moins à l'extérieur, mais là, c'est... C'est très très doux, je suis contente. Alors, est-ce qu'il est taché ou pas? Non. Ni troué ni taché à première vue. C'est une super belle qualité, on le sent touché. Vous savez, il y en a certains où on dirait que ça a sous les mains. Là, ça ne le fait pas. Hein.
malgré que ça soit du polyester. J'ai vu un espèce de polaire comme ça en coton. Alors, le prix, j'ai déchanté, hein. 109 cm. Correct. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais me lever parce qu'en fait, je suis plus à l'aise si je me tiens debout pour replier parce que je ne peux pas me permettre de laisser autant de bordel en si peu de temps parce que sinon, ça va devenir l'orgie. J'ai envie de faire ça avant. Et vous allez vous casser la gueule à l'avant. Non. Wow, par contre, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Bon, et ben, il y a pire, il y a mieux, n'est-ce pas? Je vous monte au maximum. Voilà, il y a pire, il y a mieux. 109 cm, comme ça me permet de les replier parce qu'on est en restriction énergétique et on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais en gros, on est prié de ne pas trop chauffer, de faire tourner les machines à des heures décentes, chose qui est quelque part normale. Et voilà, de faire attention. Donc, on va faire attention. On a un joli moutarde. Moi, j'adore. Puis, c'est une couleur qui me va bien. On a un joli moutarde. Donc, c'est parfait. Sachant qu'il va falloir que je choisisse une couleur pour la mettre dans le siège auto de mon bébé pour lui en faire un... Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai un col? J'ai un col? Ok, bon bah là il va falloir que ça soit un peu plus grand, hein. Parce que j'ai un défaut quand même. Ah oui, j'ai bien plus grand, j'ai 114. Donc bon, on n'a rien à redire, hein. Vous savez, les espèces de couvertures dans les sièges auto où on les referme à l'avant, on les éclipse, on les ferme avec une fermeture éclair ou avec des clips pour les garder au chaud parce qu'on n'a pas le droit de les garder avec leur manteau. Donc c'est génial, comme ça ils se les caillent le temps que la voiture elle chauffe. Donc je me suis dit, je vais refaire comme quand il était petit, l'espèce de couverture d'intérieur, quoi. Un rouille. Moi j'adore le rouille. Je ne suis pas du tout neutre, j'adore le rouille. Et je me suis dit, voilà, ça pouvait être super bien, une super bonne idée de lui faire ça. Surtout, il ne jette pas forcément les couvertures quand je les mets sur lui. Mais voilà, plein hiver, c'est bien d'être un peu mieux couvert. 110, ils sont bien généreux. Ça pourrait être sympa. Pareil pour la poussette, alors. Il a une combi pilote quand on va se promener, qui est très chaude, il a très chaud dedans. Mais quand on va pas forcément se promener, qu'on fait une toute petite promenade, qu'il faut qu'il descende de la poussette après, enfin, vous voyez, le truc qu'il y a. Je l'ai mesuré, ah oui, 110. Et du coup, je me dis, voilà, en fait, c'est plus ça, j'ai envie de lui faire ça. Donc, il en faudrait au moins deux, une pour la poussette, une pour. Un joli rose pour le siège auto. On a deux sièges auto, parce qu'on a deux véhicules, donc il en faudrait trois. Du rose petite fille, peut-être que je vais garder pour moi, pour la maison. J'ai envie de doubler le côté qui est moins doux. Pour aller sur un rond. Ah, ouais, c'est une bonne idée. Vous êtes d'accord? On a 110 aussi. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Genre, je double un côté, histoire que ça soit en coton, etc. Enfin, ça va être sur moi, donc c'est pas non plus grave. Du coup, ça peut être bien, non? Ah, du coup, j'ai plein d'idées. Du rouge Mickey. Ah ouais, c'est celui-là qu'il faut que je prenne pour mon bébé. Rouge Mickey. Il va être trop bien. À la limite, faire pour le siège auto de la belle-sœur de mon frère. Elle a le problème avec sa gamine, elle jette la couverture, donc du coup elle se l'écaille. Peut-être que, j'en sais rien, on verra. Si j'ai le temps et l'envie, le tout réuni, pourquoi pas. Il n'y a pas de défaut, hein. Super bien, du rouge Mickey. Rouge Mickey, ça c'est rouge Mickey, voilà. J'ai décidé. 112, punaise, ils sont grands en plus. Je me dis ça peut être bien. Ah ouais, ça peut être cool. J'ai envie de lui faire là-dedans. Faudrait que je vérifie quand même que ça fasse pas dégueu avec le siège auto. Hein? Parce que c'est bien beau de prendre des couleurs qui pètent, mais alors des fois, on se dit, moi, j'aurais pu m'en passer. J'ai du Bordeaux, qui est super bien. Moi, j'adore le Bordeaux. Clairement, je me tâte même.
En fait, vu qu'il y en a 10, et que concrètement, soyons honnêtes, 10, ça fait quand même un paquet. 10 fois 1 mètre sur 1,50 m, ça fait quand même des plaids. Pour le coup, pas cher, à 3 euros. Je me dis, si je double, je confère du joli plaid. Voilà, j'ai envie de refaire plein de petites choses, et je vais en profiter. 1,10 m. Ouais, c'est. J'ai envie, hein, je suis bien excitée, dis donc. J'ai envie d'en faire plein de choses. Parce que la polaire, ça retient quand même pas mal la chaleur. Et voilà, leurs restrictions, c'est pas très chaud. On n'a pas chaud, on n'a pas chaud, on n'a pas chaud. Maintenant, on rentre dans les couleurs garçons. Wow, cobalt. Alors, cette couleur-là, je revois toujours Mickey version magicien. Allez donc savoir pourquoi. Pourquoi pas, pour un déguisement, pour quand il sera plus grand. Une surcombi pilote, une sur combinaison. Ah ouais? Une combinaison, une surcombinaison. Mais trop bien! Mais ouais! Intenable la fille. Ben ouais, mais franchement, pourquoi pas? En plus en polaire, ça n'aura jamais froid. 1,10 m. Ah, faudrait que je regarde ça. Parce que j'en ai vu ouais, où c'était des animaux, quoi, genre des oursons, des trucs comme ça. C'est vrai que j'ai jamais bien pris en me disant, bah, ça va pas être si difficile que ça à faire. Et en fait, c'est un peu cette matière-là. Hein. Donc, pourquoi pas? J'ai un bleu jean, bleu foncé. C'est pas marine, non. C'est un bleu un peu différent. Du coup, j'ai une super bonne idée avec faire des surcombinaisons. Il va cuire. Il va cuire, on va rebaisser le chauffage à 1,10 m. On va garder la maison à 15 degrés, ce qui sera tellement couvert qu'il va cuire. Mon Dieu. Ah, mais en fait, c'est trop bien. Ah, j'avais pas pensé au sur pyjama, je crois qu'ils appellent ça. J'ai pas pensé à ça. Ça peut être une super bonne idée, quoi. Le gris anthracite, là, qui fait un peu ourson, qu'on voit de partout, c'est cette couleur-là. Ah, je suis vraiment surexcitée. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoute. J'ai un bout de papier collé. Voilà. Une étiquette. Alors, eh bien, pas de défaut, hein. Pas de défaut. Parfait, pas de trou, pas de tache. Nickel. 115. Pétard, on rigole pas là. 115. Oh, comme j'ai envie de lui faire plein de trucs du coup. Ah, je l'ai pas plié comme les autres. Tac, on recommence. 115. Oh là là, ça fait quand même 15 cm de plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, ça me va. Hop, je toque. Parfait. Et du noir. Noir, noir, noir. Parfait, du noir. Genre, si je lui fais un déguisement de panda, nickel. Parce qu'un plaid noir, c'est un peu tristoun quand même. Donc, c'est un peu trop classique. Ouais, non, pas un plaid noir. Quoi, choper la dégour? Non, non, non. Hop. 110. Pas mal. 110 cm. Ah, je suis en train de penser au déguisement, aux petites combinaisons là qu'on voit avec avec les animaux, mais pas forcément, hein. Mais je pense que les animaux, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Avec les fermetures éclair, que j'ai plein de fermetures éclair. Je me dis, ça peut être bien. Mais vu que là, il est encore avec les couches, ça ne sera pas bien. Il faut que ça soit ouvert en bas. Donc, vous imaginez, il faut lui enlever. Ah, non, ça va être chiant. Ah! Ah! À réfléchir, voilà. Oh là là, ça fait une sacrée pile. Regardez-moi ça. Attendez, il faut que je vous tourne. Tiri-tiri. Voici ma nouvelle personne. je toque. Et voilà, comme ça fait photo de profil.
Ah, écoutez, on perd pas de temps. En tout cas, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir tourné cette vidéo. C'est Box Rich, vous en reverrez plus que c'était la dernière. Ça y est, vous êtes libérés. C'est, ça va beaucoup mieux. J'ai eu au total sur combien de box? Attendez, vous allez vous casser la gueule en arrière. Hop, je vous redescends. C'est un pied de chez Action, donc c'est pas top. C'est pas très fiable en fait. Au total, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 box, dont 5 différents. Ouh, je vous ai pas vu si haut. 6 box, non, je crois que c'est 5 box. 1, 2, 3, 4, 5. 5 box, dont 3, 4, 5, dont 1, 2, 3. 5 box différents, dont 1, 2, 3, 3 en double. Mais en tout, ça vous aura fait 5 vidéos. Voilà. Je suis quand même très très contente. Sur ces 5 vidéos, j'ai eu que 3 soucis assez minimes. Faut pas se mentir, je vais vous les faire voir. 2 sur le velours. Déjà arrivé. Un qui a des trous à l'angle, là. Donc je vais faire enfin un petit peu plus bas que l'angle. Je ne sais pas comment ils vont. C'est quand même des gros trous. Celui-là, je ne sais plus. Celui-là, je crois que c'est une tache, non? Oui, voilà. Une grosse tache bleue qui n'est pas non plus à l'angle. Et celui-là, ça c'est du French Terry Bio en brushed qui est là. C'est pareil, c'est pas à l'angle, mais c'est en bordure. Ça. Alors, à la vidéo, ça ne se voit pas. Forcément, voilà. Vous voyez, c'est assez discret la vidéo quand même, le trait là. Mais en réalité, on voit bien un gros trait blanc. Alors, si ça se trouve, c'est de la poussière. Il faudrait que je le lave avant pour voir. Lui, j'ai presque envie de rien dire, parce que, quoique, hein, ma foi, s'il y a un problème, il faut quand même. Pas lui, j'hésite vraiment. Je pense que ça peut partir ça au lavage. Bon, ça, à mon avis, ça peut-être partir au lavage. Je sais pas, peut-être. On va dire que ça va partir au lavage parce que ça, à la limite, bon, je sais pas, mais admettons que ça parte au lavage. Dans le doute que ça parte, vu que j'ai pas l'intention de le laver maintenant, on va dire que ça part au lavage. Par contre, les deux autres, je ne peux pas parce que c'est vraiment des trous et du taché. On voit clairement que c'est un stylo, quoi. C'est un stylo, je pense, qui a taché. Ouais, je pense que c'est un stylo. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais surtout, voilà, c'est pas très beau. Puis ça, c'est plutôt embêtant pour le coup. Parce que ça part pas. Voilà. Je sais pas. Donc c'est sur deux velours de coton. Bah, comme l'année dernière. D'ailleurs, j'avais eu des problèmes sur deux velours de coton. Donc voilà. C'est un peu dommage, mais bon. Généralement, ils sont assez réactifs. Hein. J'ai jamais eu de réels soucis de communication avec eux. Ils ont toujours bien répondu, ils ont toujours été très corrects. Donc j'espère que ça sera encore le cas. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Bien avant cette vidéo, enfin, vous aurez déjà la réponse, je pense, la semaine prochaine, le lundi. Là, aujourd'hui, on est jeudi 1er, donc vous aurez la réponse. 2, 3, 4, 5, le 5. 1, 2, 3, 4, ouais, le 5, le lundi 5, à la programmation de la semaine et au résultat de la semaine qui sera en cours. Il faut que je cours, je tricote, j'ai encore rien fait au sport. Je vous souhaite une très très bonne journée, profitez du beau temps, ciao!